Attention, moment solennel. Hein. Vous êtes prêts? Alors, si je vous dis le numéro 8. Aujourd'hui, on devait révéler quelle était l'initiative citoyenne rennaise qui avait gagné et qui avait recueilli le plus de votes sur le site de la République citoyenne. Alors, le lauréat, c'est une initiative qui demande un meilleur accueil, un accueil digne des migrants dans toute l'Europe. Mes élèves de 3e du collège Rosa Parks ont décidé de s'impliquer sur la question des droits des migrants. Ils estimaient que les lois en mesure à l'heure actuelle étaient insatisfaisantes et ils voulaient agir. Ils ont décidé de s'impliquer dans un projet d'initiative citoyenne européenne qu'on appelle ICE. Et je suis tellement contente de voir que les gens ont voté pour nous. Bah, on a choisi les migrants vu qu'on a vu ça en cours et ça nous a vraiment intéressé de parler sur ça parce que ça nous avait touché comment les migrants font des voyages vraiment, vraiment dangereux et qui viennent jusqu'ici et qu'au final, ils n'ont plus rien. Et nous, en Europe, la devise, c'est unie dans la diversité. Mais c'est qui la diversité? La diversité, c'est aussi ceux qui viennent d'ailleurs et qui apportent les richesses à notre communauté. Ça nous a donné envie d'écrire quelque chose par rapport à eux parce qu'on était tristes de voir les gens comme nous souffrir, mourir parfois dans l'eau. Si nous réussissons à avoir 1 million de citoyens qui ont voté, qui ont signé, nous allons pouvoir dire à la Commission, ça y est, nous avons rempli le contrat. Maintenant, c'est à vous de travailler sur ce sujet-là avec le Parlement européen. Si vous pouvez voter pour nous, pour que ce projet puisse aboutir à quelque chose. Merci.